Salut les amis, nous voici dans une nouvelle vidéo de quand je pars au travail sous la neige. Donc là aujourd'hui vous voyez le chemin est un petit peu différent puisque je ne pars pas de chez moi, je pars directement d'une boutique. C'est ça qui est vraiment incroyable ici, c'est que même lorsque vous travaillez, vous pouvez demander à votre boss de vous laisser le temps d'aller faire 2-3 boutiques, parce que là c'était la suite du Cyber Monday qui est après le Black Friday, qui est en fait une des grosses promotions. Là par exemple il y avait 70% sur toutes les lunettes ou sur tous les vêtements. Et du coup voilà, j'ai pu quitter mon travail pendant une petite heure pour aller faire les boutiques pour ce dernier jour de solde. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu là le chemin encore une fois sous la neige. Mais cette fois en centre-ville, en plein centre de Montréal. Donc ça commence à être pas trop mal décoré pour Noël, même s'il fait jour et qu'on voit pas grand chose. Mais voilà, c'est vraiment la vie à la cool au niveau du boulot. Et donc voilà, ici tout le monde fait les boutiques, même s'il neige, même en pleine journée. En fait, ça vit tout le temps, c'est jour et nuit, ça n'arrête pas. C'est vraiment incroyable. Donc là, il neige de plus en plus, le sol commence à être bien blanc. Et je me dirige tout le temps tout droit jusqu'au boulot. Parce que c'est le principe un petit peu ici des avenues interminables. Je vous avoue que je commence un petit peu à avoir les mains congelées. Parce que sans gants, ça commence à piquer là, ça neige vraiment de plus en plus. On voit plus trop les buildings. Mais c'est vraiment magnifique quoi. C'est aller au boulot avec ce décor là, ça n'a pas de prix quoi. Donc voilà, on marche non-stop dans cette ville. On préfère marcher que prendre les transports en commun. À part vraiment dans les cas extrêmes où il fait moins 25 ou moins 30. Sinon même quand il neige, on marche. Parce que déjà les bus sont blindés. Et puis que c'est presque plus rapide des fois de marcher. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de circulation alors qu'on est en plein centre-ville. Les voitures, c'est vraiment réservé à une élite, si je puis dire. Parce que les parkings vous reviennent à peu près à 400-500 $ par mois quand vous travaillez en plein cœur de la ville. Donc, en général, on prend le transport. Là, ça commence vraiment à piquer le bizarre là, c'est vraiment violent. Je vais bientôt arriver. Là voilà, mon building il est juste là. Au 19e étage. Je pense que je vais vous laisser ici le temps d'attendre que le feu piéton passe au vert. Je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure.